Ouais. Pardon, excusez-moi, monsieur, j'aimerais me garer, merci. Il y a du Ouais, space. si vous avez la voix grave, monsieur. Ah, ça c'est incroyable. Waouh, et ça c'est de la bagnole. Hein. Magnifique. Ouais, s'il vous plaît, veuillez la pas le pas Et ça toucher, c'est de la madame. Hein. J'ai fait un covering dessus, s'il vous plaît, ne touchez pas ma bagnole. Tu parles de ta voiture ou de ta femme? Ouais, c'est quoi? C'est ta femme ou pas? Ferme ta gueule. Ferme ta gueule, je te dis là. Apprends à fermer ta gueule. Merci, Chanel. Non. Vas-y, vas-y, va. réplique. Pourquoi t'es C'est pas du Dark Ark que je vais faire, bien évidemment. Ce serait trop facile. Tu déhecks pas? Tu déhecks pas? Bon, elle vous a terminé, les gars, s'il vous plaît, laissez-moi ouais, sa voix, elle fait déhecks, bee. Wesh. C'est quoi, ça doit être une deux fois. Oh, tu parles dans un micro SNCF. Eh mec, t'as vraiment une voix de ouf. C'est normal. Elle parle dans un micro SNCF, les gars. C'est de la SMR. Eh non, non, toi, là, avec la veste en dents, là. Eh, ton voice mode est cramé, hein. T'as mis quoi comme... Ah, chute, toi. Tu parles à qui, là? Bon, Shana, termine-les, parce qu'il commence à me saouler. Oh, t'as trop de flow quand tu parles, prof Sen. Professeur Sen. Voilà. Tranquille ta mère. Voilà. Ouais, elle Redbeast. Ouais. C'est toi qui les a arrêtés. Moi, j'ai le tempérament chaud et que je ne peux pas me contrôler. C'est toi qui as ramené le tempérament chaud. Comme une connasse. Et du coup, ça fait quoi le jeu? Bon, laisse-la tranquille, casse-toi, là. Elle va terminer. Allez, viens, viens, Shana, on va aller. Oh, la tête de ma mère, regarde-moi ses handicaps. Eh, vas-y, dis-moi, t'es mal pour la peigne. Dis-moi, t'as mis le pétard bricot de sa grand-mère, la grosse pute avec sa tête de cul d'octogone de Jadis, là. Vous mettez du combien? 85B, ok, ça me va. Vas-y, on voit tout au pire. Hein. Le jour qu'on aura une guerre civile, tu pourras pas pleurer ta grand-mère quand ta mère sera brûlée dans les flammes. La guerre civile, elle était dans la chatte à ta sœur, qu'est-ce que tu me racontes? Et la tête de ma mère, je leur fais un octogone, notre canif, c'est une fille de pute. Yo, yo, et ma mère. Le jour qu'il y a une guerre civile, je suis la première à leur sauter dessus comme des gros fils de pute. En même temps, sur le nombre de piques que t'as sauté, normal que tu vas sauter sur tout le monde. Je contre tu touches comme des fils de pute. Elle a vie de ma mère, si tu parles trop. Crème, ferme ta gueule. Voilà, je m'en vais. Crème, chalak halapi, crème. T'as la crème. Tous les soirs, je vais prier pour que tu crèmes et que t'as le cancer, espèce de pute. Viens pas parler arabe ici, espèce de petite pute de ta mère, parce que je vais te porter la chkoumou, l'espèce de pute. J'ai ramené la mine, mon report à marcher. Ouais, il y a du harcèlement, ils disent qu'elle a un voice mode, c'est relou, alors que ça la rend agressive, du coup. Non, non, toi, tu l'as. Non, mais... Ça veut dire bye, elle est bye. Mais wesh, qu'est-ce qui se passe? C'est pas parce que t'es pauvre que t'as pas les moyens d'acheter un vrai micro et du matériel pro. Que forcément tout le monde est comme toi, alors ferme-la. Bah si, mais mec, t'as l'air d'être. Mais elle a sauté, je sais pas. T'es en train de sucer ma voix, donc depuis tout à l'heure, tu parles que ça, tu fais du HRP, c'est casse-couille en fait. Je sais pas. Bah oui, maintenant t'assumes pas, et le harcèlement sur la demoiselle, on appelle ça quoi là? Ah ouais, moi j'ai parlé de la demoiselle, moi. Bah vas-y, moi j'ai pas venu te chauffer. Je suis pas venu te draguer, je suis venu en paix. Ça veut dire que tu me manques pas de respect. Et je te manque. Tu me manques de respect. Et je te manque de respect. Mal aux oreilles. Attends. Là, ce que votre dispute là tout à l'heure, c'était genre tu mais gros, elle sort à peine de la voiture, vous commencez à lui parler mal et à lui toucher le corps. Non, mais c'est dedans, dégueulasse que vous faites. Dedans, je suis pas dedans, je suis pas dedans. Ouais, je suis à peine d'arriver. Ouais, c'est ça, maintenant ça se défile. De toute façon, j'ai les règles. Wow. Vas-y, viens, Shana, laisse-les. Tu laisses un petit mot à la demi. J'ai rien fait, moi. De toute façon, il va checker au pire. Moi, c'est le cœur pur. C'est le cœur pur. Oh, monsieur l'admin. Dans tous les cas, dans tous les cas, je te pine. Je te retourne. Je t'encule. Je te retourne, je te t'amène, je te retourne, et je te pine ta mère. Shana, non, mais qu'est-ce que tu fais? Je peux me comme ça. Faut se calmer, madame. Ouais, elle est non, parce qu'en fait, ils l'ont harcelé et tout, ils l'ont cassé les couilles. Shana, ouais, calme, c'est bon, il est cool. Il est venu en paix, il est venu en paix. Ah non, je suis pas allé trop loin, moi, je dis la vérité, je sais pas ce qu'il peut faire derrière l'écran. Non, mais j'ai compris comment c'était quoi le principe. Tu me prends pour une conne ou quoi? À chaque fois que tu viens, je sais que tu viens pas tout seul, c'est logique. Hein. Bah, c'est normal. T'envoies une équipe parce que tu sais que ça monte la tension. Mais c'est pas pire, je peux lui mettre une balle. Ah! Oh, comment. Mais gros, on est en scène RP, tu mets ton masque, enlève pour ta cagoule, gros, tu sais que c'est interdit? Devant l'unicorne. Ah! Tu voudrais pas l'enlever? Ouais, mais moi je suis recherché. Bon, je vais le parquet, mec. Bon, allez, viens, on va à l'unicorne, là, on va aller boire un verre. Ils savent pas jouer RP, ils ont décidé de faire du harcèlement, allez. C'est fermé. Et du harcèlement de quoi? Allez hop, lui, le masse RP, il va la prendre en prison. Il y a tous les admins là-bas qui vont les... Viens, on rentre. Ah tiens, un espèce de petit canari, c'est trop marrant ça, un black avec les cheveux jaunes comme ça, tel un poussin. Je t'entends pas, mec. Ferme ta gueule et reste un noir. Ouais, c'est bon, il l'a compris. Je vais pas me casser les couilles. Moi, je suis en train de m'embrouiller avec Bamboula numéro 1, Bamboula numéro 2. Mange ta mère, sale cul. Ces arabes de mes couilles, là, étaient des gros couilles, bon, là. C'est bon, ils ont eu ce qu'il fallait. Coup du cul de macaque de mes couilles. Henri. Viens, on y va. Henri. Ouais. Henri, tu m'entends? Les jails, t'en fais pas.
Ah, banni pour racisme. Ils vont apprendre les réductions. Ouais, mais bon, ils sont. Merci, mais elle a été bannie là pour racisme apparemment. Qui? Bah à l'instant, Shana. Enfin, Dias là. Attends, ouais, ouais, parce qu'en gros, là, on est tombé sur deux PNJ. Elle a fait une scène, elle a dit l'N-word, mais bon, il parlait pas, tu vois, donc c'est pour ça qu'elle s'est lâchée. Et elle a mis la banne direct, je crois. Elle m'a serpé. Bah, c'est pour. Mais oui, mais non, on est obligé de se barrer, nous. Attends, je vais juste aller voir qui est la bonne, j'arrive. Ouais, merci, tu gères, ouais. Il arrive. C'est toi qui as bonne la fille, du coup, pour. Moi j'ai pris le report du monsieur là en face, ouais, mais comme tout le monde parlait, j'ai un peu eu le temps de. Mais ouais, mais t'as même pas pris sa version, putain. C'est ça, mais par contre, c'est pas moi qui les ban ou quoi. Ah ok, bah il faut des bans, hein. Attends, qui c'est qui est quoi? Ouais, c'est celle qui m'accompagne, qui joue ma femme en fait. Et comme elle a pété un câble, parce que voilà, justement, il y a plein de mecs sur elle à chaque fois, comme elle est un peu virulente dans son RP, et ils apprécient pas les mecs, tu vois. Mais là, il est avec les. C'est NS, elle me dit sur Discord, c'est E-N-E-S-C. Ah, c'est... Ok, je vois qui c'est. Ouais, merci. Attends, j'arrive. Ouais, c'est cool. Oui. Franchement, on t'a tenu longtemps, gros. T'es allé comme un porc. Mais même l'admin, en fait, je pensais qu'il allait me ban suite à ça, tu vois, mais... Bah l'admin, non, il a compris, je sais pas, il a rien dit. Mais là, j'aurais pu partir en RP inter-admin, hein. Tranquille. Hein. Ah ouais, en plus, ah ouais, t'étais prêt. Vas-y, go. Attends. Bah là, j'ai une trentaine de bins inter-admin. Ok, hein. je vais leur dire qu'elle veut s'expliquer. Mais en mode friendly ou... Moyen. Tu connais Latina? Ouais. Oh, ouais, mais genre, ça peut se défendre. Ça se dit, ouais, ils m'ont fait chier et tout. Bien, je dis ça, ouais. admin. Je sais pas s'il est là. Les stalkers, ouais, il aurait fallu que vous les carquillez. Ouais, j'avoue, j'aurais dû penser à vous, mais vous étiez en train d'attendre. J'aurais dû vous envoyer, ouais, au charbon contre les mecs, là. C'est qui? Attends, DMG, c'est toi? DMG! DMG! Mais non, le retour! Mais non, comment tu vas, DMG? Ça fait plaisir de te revoir. En tout cas, merci hein, pour l'intervention. T'as vu comment ça arrive à bien coincer mon pied? Salut, enchanté mademoiselle. Vous êtes une stripteaseuse? J'aimerais demander vos services. Je suis désolé, on est en dehors de l'établissement. Je vous ai vu et vous me faites vraiment. Attends, putain, mais il a une grosse voix, lui, attends. Ah ouais, je te fais de l'effet. Ouais, j'aimerais bien que vous enleviez votre foulard et pour apprendre à vous connaître. Enchanté, moi c'est Jean-Marc. Salut Jean-Marc, ben demain soir tu viens si tu veux, c'est 20 000, la danse. Très bien, avec la danse on peut voir tout le corps en entier, entièrement nu. Ah non, c'est... Comment te dire, dans ce jeu on peut pas être entièrement nu. C'est pas possible. C'est-à-dire dans le jeu de séduction, j'ai pas compris l'histoire du jeu. Non. Dans cette ville... Ah. Les stripteaseuses ne peuvent pas être nues. Et si je vous touche, c'est possible? Par exemple, si on se met d'accord et j'augmente le prix pour vous toucher, par exemple. Non, mais je fesses. Suis. Non. Tu regardes, tu me touches pas, non. Je vous toucherai des yeux, je m'imaginerai plein de choses. Et... Voilà, tu t'imagines ce que tu veux et tu me touches donc pas. Donc il n'y aura pas de finition alors? Non, pas du tout. Ouais, c'est bien ma veine. Je suis la patronne de la boîte et moi je. Non. Et vous connaissez une femme justement à l'extérieur peut-être qui s'occupe de ça juste après avoir été chauffée par vous, par exemple? Après, j'en connais une, mais elle n'est pas là cette semaine, la semaine prochaine, si tu veux. D'accord, très bien. En tout cas, contente de le savoir. Vous avez son prénom à contact? Non, tu viendras la semaine prochaine et je te dirai qui c'est. Ah, vous prenez une commission sur les tarifs, d'accord. Non, après, elle prend ce qu'elle veut. C'est à toi de voir avec elle ce qu'elle prend, mais ça se fait à l'extérieur de l'établissement. Très bien, mais vous faites ça bien, c'est assez réaliste, j'en ai pour mon argent. Bah ouais. Il y a des gémissements qui vont avec? Ah non, moi j'ai pas le droit. On n'a pas le droit de te parler. Comme ça. D'accord. Les stripteaseuses n'ont pas le droit de parler aux hommes. Mais très bien, d'accord. Mais en tout cas, vous vous frottez à nous, il n'y a pas de problème, c'est juste qu'on n'a pas le droit de toucher. Et vous... Voilà, c'est ça. Très bien. Si je rajoute 10 000, est-ce que je peux vous bouffer le cul? Non, je te dis, tu ne me toucheras pas. Ah. Non. Bon. Non. Très bien, en tout cas, je respecte votre travail et merci en tout cas pour avoir toutes ces informations. Je suis pas proxénète, moi, hein. Je tiens une boîte de striptease.
Oui, mais on sait très bien que les filles sont assez faciles et en général, avec de l'argent, on arrive à avoir ce qu'on veut. Moi, non. Vous êtes difficile en affaires. Ah, ouais. Vous plaisez. Vous avez un physique. L'écran. Tournez-vous non. un peu, que je vois un peu le matos. Peut-être que demain, je mettrai le prix. Bah écoute, t'as qu'à regarder sur Radio D de la ville, Instagram, il y a quelqu'un qui m'a pris en photo, tu vois. J'ai beaucoup de beurre, effectivement, ouais. C'est un malo. Mais je vais venir vous sentez bon. Ouah, le malade, le BDG. J'espère que vous prenez une douche temps... après chacun de vos clients. Oh, ouais, t'inquiète, mais là, en fait, je travaille pas, donc tu vois, c'est un peu... C'est gênant. Ouais, c'est un peu vous, gênant. Vous, en fait. Vous m'avez charmé, ne trouvez pas ça gênant, c'est votre travail et c'est tout à fait normal que vous... Que des mecs, des personnes comme moi... Des fois, je vais mettre une balle d'étoile. Voulant passer de l'effet, c'est tout à fait normal. Et c'est très bon pour votre business. Soyez restés comme cela, mademoiselle. Ouais, ouais, non. Et si je rajoute 2-0, est-ce qu'on peut arriver à... Je peux arriver à mes fins avec vous? Non. Tu me toucheras pas, en fait. Parce qu'on c'est un malade mental, ce qu'il y a. Tu peux en rajouter 10, en fait. Je suis pas une pute. Non, je sais bien, mais... Non, mais je te le dis. Tu peux en rajouter 10, tu veux. Vous allez simplement vous frotter et après, je fais mon affaire. Enfin, comme ça. Non, je me... en fait, tu n'as pas le droit de me toucher, je te touche pas non plus. Non, mais c'est vous qui allez vous frotter. Ah non, je me frotte pas à toi. Enfin, non. Pervers. Vous verrez l'alias, vous changerez d'avis certainement demain. Ah non, pas du tout, non. Je connais. Essaye. Je connais certaines personnes dans certains quartiers. Si ah, saviez, bah peut-être, ouais, mais je suis pas cette personne et t'es pas dans le bon quartier, en fait. Je crois. Oui, mais c'est votre travail. Vous avez intérêt à honorer le client. Oui, il dit. C'est mieux au cas où. En tout cas, vous êtes très très belle. Vous avez un joli regard. Yeah. Oh, vous avez enlevé votre... Oh, ça me fait de l'effet. Wow. Il est ultra gênant, ce mec. Sentez bon, en fait. Je sais pas si je danserai pour toi, en fait. Bon shampoing et Dan Schulder, je suppose, non? Non. Je vais lui mettre patate. Dan Schulder, c'est pour les pellicules. J'ai pas de pellicules, en fait. Très bien. Un shampoing aux œufs d'op, peut-être, non? Putain de BDG, ce mec. Un très joli décolleté, mademoiselle. J'espère que j'aurai l'occasion de s'en prendre demain. Monsieur, c'est son métier, c'est un travail. Elle est dans le relationnel. Oui, mais je peux t'expliquer un truc, en fait. Je suis pas au travail, là. Donc, Oui, mais je... En fait, je suis honnête avec toi, là. Je suis pas dans mon travail, je m'en bats les couilles de ce que tu me racontes, en fait. Po. Ne le prenez pas comme ça, mademoiselle. Non, mais je suis pas au travail. Est-ce que tu m'as vu en sous-vêtements, là? Eh bien, si, bah, en tout cas, vous avez l'air très aguicheuse, hein. J'ai rien qu'à voir, les vêtements que vous avez du spandex. Vous avez des vêtements qui vous moulent très bien, on peut se faire une idée sur le corps que vous avez. Waouh. Elle a pas besoin de chevalier blanc, elle. Putain, mais qui c'est ce connard? Oh, même à terre, qu'est-ce qu'elle est sexy. Bon. Dommage que je ne peux pas abuser d'elle. Je vais y aller. Allez, elle est si douce. J'aimerais tellement la rencontrer dans le privé, malheureusement. Va falloir que je paye. Je paye beaucoup d'argent pour que je la sorte de cette misère. C'est une femme qui mérite le respect. Et un jour, elle t'inquiète, sera mienne. Je vis pas dans la misère, j'ai 10 millions. T'inquiète. J'en ai beaucoup plus. Ce qu'il a mis, le stalker. Ça se voit à ton look. Elle n'arrive pas à se relever. Attendez, je vais m'approcher d'elle. Ça vous dérange pas, chers messieurs? Écartez-vous. Oh, oui. Aïe, qu'est-ce que vous faites? Bon, go car kill le gars là, le White Knight là, le noir, s'il vous plaît. Bon, par contre, les chevaliers blancs qui traînent autour d'eux. S'il vous plaît, pouvez-vous écarter? Parce que je vous ai pas sonné en fait, bande de guignols. Tout ce temps que vous êtes. Plus, frère. Elle a pas besoin de sécurité. Allez hop, ça dégage, les deux, un. Laissez-la, je m'occupe d'elle, je vais essayer de la mettre dans un coin pour la protéger. Fais pire, ouais. Je lui en mettre une au mec là. Qui est en voiture là. Aïe, qu'est-ce que tu fais? Voilà, et de deux. Mais... La tête de ma mère, j'ai pété mon crâne. Bien joué le mec en moto, il est trop chaud. Non, arrête Lenny, on s'en fout. Arrête Lenny, hein. Alors, on sort de son personnage. C'est un malade. Et deux, trois. Je fais rapport, quoi. Ouais, vas-y, fais un report, là. C'est bon, on nous carquille depuis ouais, tout à l'heure. Ouais, je sais pas ce qui se passe. Putain, vous êtes trop forts, les ultras. Enfin! Enfin, l'âge d'or des ultras, les vrais! Putain, enfin! Voilà, DMG!
Voilà, DMG, montre-leur. Oh non, vous avez tué un gamin. Vous avez tué un gamin. Oh, DMG. Mais chipitez-le. Ouais. Vous êtes trop chaud, les gars. Mais c'est quoi ce revival, les mecs? C'est... le revival. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez de baisser votre arme, vous pouvez blesser des innocents. Des vados qui traînent ici, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez. Me faites pas de mal, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous pointez cette arme vers moi? Monsieur du GIGN. Allez-y les gars, les deux, là, les deux. Et hop, l'admin, hop, ça dégage. Lui aussi, ça dégage. Roulez boulez. Toi, je te jure que si tu me relâches, je te mets une balle. Hein. Monsieur le staff, depuis avant, il y a des mecs qui cherchaient. Ouais. Oui, et puis en plus, c'est un troller. Il est en noir. On peut pas le tuer. Je pense qu'il doit être en noir, ouais. Ouais, il est en noir, c'est un troller, on n'arrive pas à le tuer. C'est quelle voiture? Une espèce de Range Rover et un mec en moto avec un pantalon bleu. Oh, on en a chopé. Salut, en tout cas, tu tiens bien ton personnage. Hein. J'ai apprécié jouer la scène avec toi. C'est vraiment cool. Quoi? Ouais, je disais, vu qu'on était en HRP avec l'admin, je voulais te dire que, franchement, c'était une belle partie. Entre toi et moi. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire ça, ouais. C'est excellente. Si tu veux. Et, sois pas intimidé, hein, n'hésite pas à me rentrer dedans. Ouais. J'aime bien. Non, mais t'es un peu gênant, en fait. Pardon? Mais c'est le personnage. Oui, mais tu rentres vachement dans ton rôle et c'est ultra... C'est perturbant, mais c'est normal, c'est du jeu de rôle. Ouais, mais... Une fois que je suis dans mon personnage, voilà comment je suis. Vas-y, merci. Je suis quelque peu tactile avec les femmes et j'aime bien être très courtois avec vous. Ouais, attendez, je suis en Discord, deux secondes. J'arrive, je vais. Oh, c'est quoi ça, Discord? Qu'est-ce qu'il te parle? Est-ce que nous sommes en HRP? Je ne comprends plus rien. Je suis en train de sortir du personnage. Tu l'as trouvé? Tu l'as trouvé, le mec? Ça la perturbe. Ouais, je sais pas, Angéline, en tout cas c'est gentil, merci pour le compliment, mais elle a été perturbée. Ah ouais, toutes les femmes, ça leur fait ça, et du coup... Ah merde, pardon. Non, je comprends mieux, peut-être. Pourtant, là, je joue mon rôle. Je passe personne, là, je joue mon rôle de normal. Parce qu'en fait, on se fait car kill par un mec en moto et par un autre mec en noir, et on a voulu tirer dessus, enfin... Il meurt pas. D'ailleurs, ma collègue, celle qui joue ma femme, ma fiancée, elle a été débanne ou pas? Je sais pas du tout, on est parti voir Okay. Plus haut. Ah bah c'est gentil, sinon parce qu'elle va pas tarder à aller se coucher je pense. Vous me donnez des nouvelles ou on peut le faire maintenant? Moi je peux rester, ok. Bon, je peux compter sur toi, tu l'as débanne? Ouais, t'inquiète. Bah merci, c'est gentil. Merci. Non, parce qu'il faudrait plus de demoiselles et tout, c'est cool, ça apporte un peu de vide sur le serveur. Ouais, c'est sûr. Après, il y a des mecs qui sont un peu dalleux quoi, c'est un peu chiant malheureusement. Ouais, y a des animaux partout quoi. Ouais. Ok, je vais déboucher l'orifice de ton meilleure actrice X. Ouais, tous les jours je lui lèche le clitoris. DMG, qu'est-ce que tu fais? Je lui défonce son orifice. Ok. Oh non, des... Je peux savoir pourquoi il y a un staff au sol là? Bah le mec il... Non, il vient d'Alt-F4 là, j'ai vu son truc. Il y a un mec qui est arrivé full musique à fond, il a mis des patates à tout le monde. Là il dit c'est 193 si j'ai... Attends, je vais faire un réseau. Bah oui, là c'était de l'ego, tu vois, diplomate. Mais c'est le temps de clip, Inès qui t'a... Oui, Benjamin de pleurer comme ça. Tu m'as dit quoi? Sinon pour revenir sur la scène RP qu'on a eu toi et moi, t'inquiète pas, dans la vraie vie je ne suis pas gênant. Pas que tu dises ça, t'inquiète. Ouais. Non mais tu sais, il y a des gens bizarres qui viennent sur ce serveur. Ouais, je sais bien, mais bon, comme ça dans la vraie moi je m'imprègne du personnage et après, si des élans selon toi, c'est normal, ça peut arriver. Non, mais c'est bien. Il faut pas que tu le prennes comme ça, essaie de développer un peu plus une profondeur sur le caractère que tu peux avoir, par exemple avec ton perso qui est vraiment très intéressant. Il peut y avoir une alchimie qui peut se dérouler entre toi et moi, vraiment. Non mais en fait, tu peux pas avoir d'alchimie avec toi. Est-ce que je peux mettre une... Les gars, soyez pas jaloux, les gars, s'il y a une intrigue entre les mois et qu'il y a une intensité, c'est des choses qui arrivent. En tout cas, bonne soirée, merci les admins. Vous avez grave géré. Y'a pas de soucis. Hein. Vas-y, excuse-moi, le staff. Ouais. Putain, était vraiment cool celle-là. Vraiment cool.
Ah ouais, full club. Bon, on verra si déconne ça déban. Au pire, on viendra. Il y a des admins qui va faire en sorte de te déban. Bon. 100% te prend, bien sûr qu'elle le prend pour un fou, mais c'est pas grave, tranquille. C'est pour ça que c'est là où je vous dis. Ils ont dit qu'ils suçaient des pénis parce que j'ai des spaghettis noirs. Ouais, bon, si tu veux me divertir, va frapper les gens là-bas. Et me casse pas les couilles. Et dégage. Mais il y a l'autre là, face de Joker, il y a pas de. Tu peux éviter cette voix de merde parce que même en RP, ça rendra mal en fait. Si tu veux vraiment la faire, fais quelque chose qui a du sens. Et les envolées lyriques, là on dirait un bouffon de base, tu vois. Je suis fou de talent en passion. En plus, t'as un micro haché, donc on comprend rien ce que tu dis. Bon, allez, doit terminer le lui. Ouais, je fais quoi lui? C'est lui qu'il faut terminer là. Le gars en survêt vert là, lui mérite, voilà. Voilà, très bien, bien joué les gars. Merci pour le tra... Oh, ouais, par contre, ouais, ok. Merci, très réactif, le code B. Dégage-toi. Ouais, il est pas mort, les gars. Vous me le finissez, lui, là. Il est en train de s'enfuir, là. Voilà. Il y a toujours un Brechaban pour récupérer. Voilà, vous me terminez ça. Regardez comment il court avec son survêt de bouffon. Ah, ça, c'est des mauvais joueurs, ça. Non, mais c'est... Alors, donc, je termine ce que je disais. Ouais. Le tricot. Comment survêtir ? Il est pas bien. Les gars, vous me le mettez à terre, lui, là. Ouais, là, c'était vraiment bien. Le revival, ouais. Sans que j'ai demandé grand-chose, il y a eu trois mecs dans l'ombre, là, qui ont fait le taf. Ouais, les gars, je l'ai localisé, les gars. Il ne sort pas de cette... Qu'est-ce que tu fais ? Mais de quoi ? Je peux pas me promener en paix ? Bon, je te parle à RP, c'est pour ton bien. En fait, ils veulent que tu t'améliores en RP parce que c'est clairement haché. Tu veux pas prendre ta voix normale juste pour voir ce que ça fait? Et ils vont te laisser tranquille. Non, mais dans le fond, tu vois, je suis québécois, ça fait un peu chier. Ah, d'où la voix de chier. Ok, d'accord, je comprends mieux. Ouais. Voilà, reste comme ça, voilà, québécois, rôle québécois, non, très mais bien. C'est parce que, tu vois, sinon tout le monde me dit un québécois, tu tabarnak, un québécois. Ah, donc t'as fait ça ce personnage-là, d'accord, pour dissimuler l'accent. Ouais. Je comprends mieux, ok, parce que moi je suis en étroite relation avec le staff et tout, et des fois les gens qui ont des micros hachés, plus l'accent québécois, en général c'est ban. Ouais, bien vu. Qu'est-ce que je pourrais te suggérer? Attends, on va te trouver un perso. Bon, attends, t'es blanc avec des rastaquaires dégueulasses, avec un survêt. Non, je suis beau. Non, ton personnage, je parle. Ouais, enfin dans la vraie vie peut-être, mais là t'es pourri. SDF, ça te va? Genre un mec qui parle comme ça. Lentement, vas-y, parle lentement pour voir si tu peux cacher ton accent. Est-ce que vous pouvez donner de l'argent pour les pauvres, s'il vous plaît? Bah voilà, c'est très bien comme ça. Pourquoi t'as pas fait ça depuis le début? Ça fait un accent un peu semi-renois africain. Mais je parle renois. Bah pourtant, il y a des rastaquaires blancs qui ont cet accent-là, hein. C'est très bien. Bon, vas-y, garde ça. Voilà, parle lentement et normalement, ils sauront pas que t'es québécois. Vas-y, mais il y a l'autre qui veut me carquille. Ok, attends, je vais leur dire de pas te carquille. Ouais, les gars, appel aux ultras, ne pas le carkill, s'il vous plaît. Est-ce que c'est noté? Les gars, je vous parle maintenant dans le stream. Go le carkill. C'est bon, normalement, tu peux marcher tranquille, tout ira bien pour toi. Petit don pour les enfants, Ouais, plus tard, là, je vais acheter à manger. À plus tard, merci, d'accord, mec. D'accord, à plus tard. Ah oui, ouais, j'ai déjà demandé de l'argent. Bon, vous... Regardez l'autre, il le poursuit. Allez-y, les gars, vous me le fumez, lui. Il est trop mignon. Ah, putain. Il a pas fait un pas. Et comment il s'enfuit. Il va vraiment lui rouler dessus, quoi. Il l'a pas lâché. Ah putain. Ah, il s'est pris de la voiture. Ah, il s'enfuit. Ok, dépose-moi vers un tas de mecs. Et code B. Dès que je suis à côté, enfin je m'écarte un peu et t'envoies. Y'a pas un groupe de gens là? Ok, c'est bon. Non, Riri, c'est Yacine Aboudaou. Très bien. À toutes. Bon, les gars, c'est pour le final, les gars. Faites-vous plaisir quand je vous le dirai.
Voilà. C'est bon, excusez-moi de vous déranger, vous êtes toujours en HRP ou... Non, bah, on s'en fout en fait. Ah, désolé alors. De toute façon, je comptais partir juste pour vous dire que c'était... pardon, par contre, pourquoi tu me... T'inquiète. C'est normal. Qu'est-ce que t'es en train de faire? T'inquiète, fais-moi confiance. Comment on fait pour que tu verrais pas, mais fais-moi confiance. Wesh! Wesh! Allez hop, toi je t'ai terminé. Allez-y les mecs. Vous pouvez y aller. T'es sûr? Qu'est-ce que t'es en train de faire? Pourquoi tu pointes cette arme vers moi? Je pointe vers la poubelle. Regarde, wesh. Allez, terminez-moi ça les gars. putain, incroyable. Ah putain, j'adore faire le con quoi. Quelle meilleure chute. Bon allez, générique de fin les gars, merci d'avoir suivi. Peut-être que je partirai en after, on fera un petit HLL. C'était vraiment sympa là ce soir, vraiment GTA. Merci Deacon hein, encore une fois. Bon, on le retrouvera dans un mois et demi les gars. Deacon nous a... Les, on a eu le privilège de l'avoir les gars. Oh putain, il est beau celui-là. Magnifique. Vous vous mettre près d'un arbre, si jamais. Le mec, il voulait me ban 5 heures pour ça, parce que je traînais avec Chameau. Si, mais le pire, c'est que le jour même, la nuit même, je me suis fait choper par deux meufs d'un cartel qui m'ont jeté d'un pont en EMS. Et elles ont même pas été bannes. Et je lui ai dit, là, il y a quand même quelque chose qui va pas. J'étais en tenue d'EMS en service, elles ont pas à me braquer. On a bien profité ces derniers jours avec Deacon, les gars. Il a vraiment assuré. Merci pour lui, les mecs, dans le chat. Ah ouais, je vais les connaître, ces filles. Du coup, les a pas bannes. Là, il y a une belle diagonale, les gars. Franchement, s'il y en a qui. Il reste encore un stalker, là, il y a une belle diagonale. Voilà. C'est ça le RP qu'on aime. Et moi, je lui ai dit clairement, il y a quelque chose qui va pas ici. Moi, je suis ban 5 heures parce que je traîne avec Chameau, puis elle me jette d'un point. Au pire, vous me mettez dans le tas, allez, je me mets dans le tas. Alors que dans le règlement, c'est interdit, comme ça, c'est pas cramé. Je suis EMS, elles ont rien à me faire. Ça, c'est des trucs de ouf, en vrai, genre, y'a pas à faire des bails comme ça. Ouais, mais le problème ici, c'est ça. Ça, j'ai un petit peu ça. Vraiment, on dirait la vie des médias, en mode, genre, t'es... On va dire, entre guillemets, dès que t'es une... Ah oui, y'avait un gars qui avait grillé, qu'elle était en train de fumer, qu'elle avait une vapote. Bien joué, putain, t'es trop chaud, mec. On l'entend, regardez. Si t'as envie d'avantage, tu fais ci, tu fais ça... Ça? Il s'est relevé le stalker, il va. Putain, mais... Je vais le buter, alors, là. Putain, mais débarrassez-vous de lui, les gars. Putain, c'est pas croyable, ça. Non, mais... Il m'a frappé, en plus. Il arrête pas, quoi. C'est un malade. Celui-là, un autre avec une voiture, mais ça arrête pas ce soir, hein. Ouais, il y en a un autre. On peut les descendre direct, s'il te plaît. Genre, parce que ça devient gênant. Ouais, les... ceux qui carkillent, on peut les buter ou faire quelque chose, les mettre en instance. Non, ou... c'est nous, les tue. Bah, restez là, alors, parce qu'ils vont venir, restez près de là, je me mets au-dessus de vous, Ok, merci. Parce qu'ils vont faire que venir, hein. Je vais dans l'avion. Là, c'est une espèce de C3 là. Mais je l'ai posé, mais j'ai arrêté là-bas et puis il y a Alpha 4, je crois. DS prend à gauche, il y a deux voitures derrière nous à gauche, je vais prendre celle devant la droite. Vas-y, go. Ils sont pas compris, ils vont se mettre en. Allah. Descends-lui tout droit du ciel. Ah putain, là, c'est vraiment, on est sur la petite Bible et tout, tu vois. Putain, ça me tue quoi. Bon. Je suis mort. Ils vont se mettre dans une cachette là, gars, pour observer. Je suis mort. Tu vois, par exemple, un jour, j'étais avec Chameau, je me suis fait buter dans une voiture. Et il y a un mec qui est venu, qui a commencé à m'insulter et tout. Un mec d'un gang, hein. Et en fait, j'ai répondu. Alors, j'attends j'ai pas le prochain, les gars. Il y en a pas un? Et il m'a ban pendant. Je sais plus combien de minutes, je suis resté 2 heures en jail. Et en fait. Je me suis rendu. Enfin, Chameau m'a dit qu'il pouvait pas. Il l'aimait pas, Chameau. Et comme il savait que j'étais avec Chameau, je traînais avec Chameau, il m'a ban, il m'a jail. Je suis resté 2 heures en prison. Et tous les jours, tu les vois, toi, les mecs qui parlent. Ouais, mais t'entretiens une relation avec un mec, alors du coup, en dehors du jeu. Je pensais que t'étais célib. C'est un malade. Non, mais je vais pas te raconter ma vie en dehors du jeu, en fait. Bah, t'es avec Chameau ou pas, alors? Tu peux le tuer, toi? Mais arrête de la défendre, elle a une bouche, elle sait se défendre, elle sait parler, elle sait communiquer, bon, c'est quoi cette merde? J'ai plus jamais de portée. Voilà, c'est dingue quand même, hein. Voilà. C'est nous fatigue.
Ok, bon, elle est avec Chameau, super. Qui pensait sortir avec elle, je voulais la DM sur Discord. Par contre, toi, on dirait trop le mec qui s'est fait friendzone, qui a voulu essayer de la pécho. Bah, tu vois, non, pas du tout. Bah, si, ça se voit, regarde comment tu la défends. Mais gros, t'arriveras à rien avec elle. Hein. Ah, elle a déjà choisi son mec. Hein. Ah non, mais tu vois, moi, ce qui m'intéresse personnellement, la relation que j'entretiens avec elle, c'est l'argent. Donc, non, c'est surtout le simping, comme on l'appelle. Le puceau X, si tu veux. Le genre de le mec, le bon copain qui reste à côté. Ah non, moi personnellement je m'entends pas clairement parce que moi tu vois tant que j'ai mes sous à la fin. Comment ça t'as tes sous mec, t'as tes sous devant GTA et t'es content, t'es refait? Bah écoute, moi tout ce qui m'intéresse. En plus regarde, même ton RP il est claqué, ton micro on t'entend même pas. Tu le fais dominer. Bah qu'est-ce que j'ai envie que te le dise là, tu vois. Mais t'es content de gagner de l'argent sur GTA? Bah écoute, je suis en train de parler directement de gagner des sous, je m'entends pas. Mais arrête, j'ai très bien compris ton jeu, tu essayes de te rapprocher d'elle pour avoir ne serait-ce qu'un petit snap ou un insta. Non, c'est tout comme ces mecs, tous, alors, vous êtes tous pareils les mecs. À la différence de toi, tu vois, c'est que j'essaie pas d'entrer dans la tête des gens et ce que t'es en train de faire c'est totalement début parce que t'essaieras même pas de me tirer quoi que ce soit au niveau des... Mais regarde, t'as tellement la haine, regarde. T'es prêt à me buter, vas-y, mais si tu veux, fais ce que tu veux mec, mais ça se voit que j'ai gagné, moi dans l'histoire j'ai gagné, gros. Regarde, on sent la haine dans ta voix, regarde, t'as le seum, regarde, tu me prends mon personnage, tu me bloques. Donc quelque part j'ai gagné. Ah non mais même pas, parce que tu vois, si jamais je t'ai tiré dessus, effectivement là t'aurais gagné, mais je vais pas te donner ce que tu veux. Ah bah si, bah regarde, déjà rien que me bloquer c'est que j'ai gagné. Attends, je vais faire porter deux, ça marche. C'est juste qu'on est en train de parler, t'es un petit peu en train de manquer de respect à tout le monde, on est en train de discuter. Attendez. Enfin, j'ai envie de te dire que tout le monde est en train de discuter sur des choses personnelles. Quelque chose de personnel, ouais, salut. Je m'appelle Yacine. Ça y est, j'ai trouvé une pote. J'ai trouvé une pote dans le jeu, je vais me faire de l'argent. Dans le mois, je vais gagner 25 000 dollars, je vais pouvoir monter un gang, je mets mon masque, je suis un bad boy, alors j'ai une voix qui va pas du tout avec, j'ai zéro charisme dans le jeu. Ah bah écoute, de toute façon, je pense que tu veux, dis-moi, t'as fini encore ou... Vas-y, continue à marcher, moi je passe une très très bonne soirée avec toi. Ah bah tu vois, finalement. Attends, c'est Hummler. Voilà. Ça va pas de pauvre à l'horizon. Au final... Je sais pas si on peut faire porter deux. Oh! Ah bah tiens! Hop! Barba truc, rilo truc! Comment je t'ai cassé? Je t'ai eu! Attendez, là je fais porter deux, je pense, regardez. Là je crois que je l'ai bugué. Attends, je crois que je l'ai bugué. Et là il va tirer, il a le sub. Regarde. J'ai trop fort. Hey, je suis le meilleur, rien à dire. Hey, je suis trop fort. Je suis trop fort. Ah putain, les bouffons. Là. Il est où William? Je sais pas, il lui est arrivé un truc, certainement un accident. Ça fait un peu peur, moi j'aime pas. Il est bloqué dessus. Ces gens qui sont... Tu sais, qui font des mimes là. J'aime pas, ça fait peur, je trouve. Ouais, cher admin, ouais. Bon, en tout cas, merci pour les tickets, hein, merci pour la réactivité. Vous avez géré encore ce soir, j'ai pu faire des bonnes scènes. Il y a juste un petit bémol sur la fin. Ouais, il y a des mecs qui ont écarqué, ça, je vous en veux pas. Ça arrive des fois, des trolls en free access. Et c'est bien, franchement, que vous laissez les filles jouer. Bah, heureusement, quand même. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que... Enfin, ça dépend. Elle, par exemple, elle a besoin d'être soutenue par 3-4 mecs autour, c'est ça qui est un peu dommage. Mais sinon, dans l'ensemble, je pense que tu pourrais très bien débrouiller toute seule. Je disais que cette fille, elle pourrait très bien se débrouiller un petit peu en solo. C'est dommage qu'elle s'entoure des plus mauvais joueurs autour d'elle, qui la défendent, qu'il y a un mec qui s'approche, quoi. C'est un peu dommage. Non, mais tu fais quoi dans la ville? N'hésite pas à finir ta phrase quand. Ouais, bah, je l'ai fini. En tout cas, ça a été un plaisir. Merci. Ah oui, et le ban pour ma femme, enfin celle qui joue ma femme, ça ce sera super important. Le Hume Marceau. Ah, regardez. En 3, 2, 1, un mec qui va avoir la haine contre moi. Ah non, c'est pas le même. Il devient quoi ton pote alors? Marche plus ou quoi? C'est romantique quand même. Quand c'est comme ça, il faut que je déco. Entre. Non, c'est bon.
Putain, j'ai le vocal qui est bugué, putain, fait chier. Quoi? Ouais, c'est bon, t'entends là. Ouais, désolé, je disais, ouais, c'est dommage qu'elle a un RP pas trop mauvais. Malheureusement, elle est mal accompagnée avec 3-4 mecs qui lui rôdent autour et qui font un peu les chevaliers blancs. Et... Mais laisse-moi tranquille, c'est mes potes en fait. Bah non, c'est des potes qui veulent essayer de te pécho sur Discord. Enfin, on connaît, c'est classique sur GTA. Donc franchement, ils te desserrent vraiment. Parce que t'as vraiment le potentiel pour être un petit. Avoir un perso vraiment toute seule, avec du caractère et. Oula, un gars qui le prend mal encore. Une fois. C'est pas ta meuf au fait, hein, gros. C'est pas ta meuf. Tranquille, gros. Tranquille, laisse-moi. Non. Cette fois, je te laisse pas. Bon, on fait. Wesh. Putain, c'est un bouffon ou quoi? Oui, c'est un fou lui. Wow. Putain, c'est ouf, c'est pas ta meuf en fait, la demoiselle. T'as pas besoin de lui prendre sa défense hein, en fait. C'est pas ta meuf. Bah, frère, tu forces un peu quand même. Oui, mais c'est pas ta meuf. On voit que l'admin. L'admin, il y a un gars là qui prend sa défense qui arrête pas de me mettre dans un coin pour me frapper. Sans le sanctionner, hein. Mais dis-lui que l'enlève. Ok, ok. Parce que Taï, c'est mon pote. C'est celui qui parle là-bas au courant, on est d'accord. Tu l'as banni ouais, ah, merci gros, merci, c'est gentil. Ouais, il arrête pas de me prendre, mais il fait porter deux à chaque fois sur moi, il est relou. Qu'est-ce qu'il me raconte lui? Mais je parle de toi, idiot. T'as le seum? J'ai porté deux fois. Comment tu dois avoir grave le seum, t'as essayé de me buter. Bouffon, en plus tu m'as raté, t'as pas d'IM. Il veut que je sais pas. Mais tu vas rien faire gros, t'es un guignol. De toute façon, même si tu me butes, j'ai gagné. Ça veut dire que t'es sorti de ton personnage et que t'as grave le seum contre moi. Allez, dégage, bouffon. Allez, salut, bonne soirée. Toi, là, je crois que j'étais par le papier. Je te retiens, frérot. Merci, gros. Retiens-le bien, il a la haine contre moi. Avant qu'il commette une bavure, sinon j'appelle les admins. Va vers le papier. Tu vois le mec en foulard là, t'as vu frérot? C'est comme ça qu'on les termine ces mecs là qui se prennent pour des chevaliers blancs. Hein. Ça y est, ils ont rencontré une meuf sur GTA, ça y est, ils sont plus pissés quoi. C'est quoi GTA? Bon allez, je me casse, ça a été un plaisir. Monsieur, vous partez? Ouais, je me casse, j'en ai marre des mauvais joueurs comme vous. Vous êtes mauvais. Mais pas à ce point là, monsieur. Non, toi ça va encore, même si t'as été mauvais tout à l'heure à vouloir défendre la demoiselle. Attendez, monsieur le médecin, est-ce que vous n'auriez pas des capotes s'il vous plaît? Parce qu'il faut toujours sortir couvert, il y a une pute sur la 32e. Comment ça? Bah, vous êtes médecin, non? Ah ouais. Pharmacien et tout, vous avez du stock? Non, moi j'ai des capotes, moi si vous voulez. Moi j'ai juste de la cocaïne. Vous voulez qu'on aille à la pharmacie ou pas? C'est le bordel. Moi je vends tout, moi fouillez-moi. Je me fais violer. J'ai le droit. Mais du coup, c'est toi qui me l'as dit. Les capotes, vous les vendez à combien? Parce que si j'ai une demoiselle, enfin j'ai une cliente là. Attends, je suis en train de parler là. Oh les mains, bonne. Ok. Oh les mains, peau de lapin. Excuse-moi encore. Allez, ciao. Ouais, j'avoue que je fasse mal, ouais. Faut que je quitte. Vas-y, faut que je quitte. Enfin, dernier là pour un petit carkill là dans le. Là, ils sont bien compactés là. Là, ça peut être intéressant. Là, ça peut clairement être joli, quoi. Oh merde. Vous avez tous été ban. Il y a un frisson de gel. Ah, il y en a un, il s'est foutu de ta gueule. Qui? Ah, je sais pas, j'ai entendu dès que t'as fait. Il y a quelqu'un qui l'a fait aussi. Ah, tête. Vas-y, viens, Julie. Si, j'arrive, ok, bon, allez. T'as fait ban. Ah, joli, c'est. Eh, monsieur. C'est qui ça? Monsieur. Viens, vas-y, grenouille, viens, on va le faire. Monsieur? Lui là, les mecs, le gars qui est en égo. Ok, j'arrive. Ah, tiens, encore lui, putain, c'est ouf. Mais arrête de me coller aux pattes, toi. Mais arrête, mais il est con, quoi. Mais gros, je t'ai cramé dans ton jeu, mec. Alors... Il est malade, ça, ces gars. Frères, t'as le seum ou pas? Je le seum de quoi? Non, sérieusement, j'ai de savoir, tu joues quoi dans. Parce que là, tu sers pas grand chose, hein. Je dirais même mieux, je jouerais mieux avec un PNJ que toi, quoi. Ouais, ça sert à rien d'essayer de provoquer, c'est ce qu'il attend. Non, je sais, mais ça malade. Ouais, donc c'est bien ce que je pensais. Pas de répondant, donc j'ai win. Super. Bon, allez, fin de tournage. Comme vous le voyez, chers viewers, les trois guignols juste derrière, là, qui se prétendent les trois mousquetaires, on est d'accord que c'est les trois bouffons de service de cette ville. Encore une fois, je viens de les terminer les uns après les autres, ils n'ont pas de répondant, donc c'est une victoire sans appel de Jean-Marc. Jean-Marc Ryu. Il y a un problème mental. À vous les studios, vous pouvez y aller. C'est parti les mecs, showtime. Les trois là, d'un coup là, pour le au final, je me mets ici en stand-by. Vous voulez faire une attaque en étoile? Skinny.
Bisous, diplomate. Il porte son pote. T'inquiète, diplomate, j'attends juste mon... Et après, je décroche. Promis, promis, franchement, promis. J'attends que l'autre se connecte. En tout cas, j'espère que ça a été plaisant. Il est quelle heure, là, d'ailleurs? Ah, mais non. Il vient de soigner, il est mort. T'as, ils t'ont pas banni depuis tout à l'heure. En cathédrale. Je suis à terre, à côté. Et tu peux revive dans... Humour, tu peux revive dans combien de temps? Au pire, on attend, hein. Et en attendant, il y a Bawé Pélo qui s'abonne, les gars. Merci si ça vous a plu, hein. Vous avez d'ores et déjà les abonnés, hein, la rediff, et ceux qui ne sont pas abonnés, bah, je vous invite à abonner et rejoindre la team des ultras, hein. Tout est indiqué dans Streamlabs, dans le message épinglé, pour ceux qui veulent avoir du contenu exclusif et s'abonner, enfin, et avoir accès aux rediffusions. Ah bah c'est bon, c'est parti, showtime. Putain, il met des patates de l'enfer. Bah alors, vous avez du mal? Vous voulez que je vous aide? Non, je suis meilleur à ça. Aïe! Arrêtez de me frapper! Ah, chier! T'es face t'as contre terre, chier! Chier! Bon, je peux. Monsieur, je peux le tuer? Mais tu vas rien tuer depuis tout à l'heure. C'est pas grave, que de me provoquer là, ça m'énerve. Et alors? Mais alors, mais mec, pourquoi tu sors ton personnage? C'est du RP, gros. Joue ton rôle. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Arrêtez le sinon t'as absolument rien à faire sur serveur, gros. Ici il y a des bons joueurs, donc si tu sors ton personnage et tu t'amuses à faire kill tout le monde avec ton pistolet, tu dégages, gros. Mais frère, tu peux arrêter de me provoquer. Mais j'en bats les couilles, gros. Range ton arme et baisse tes yeux, gros. Arrête de faire ça, on t'a dit. Merci. Arrête de faire ça, voilà. Allez hop, mon toutou. Tu ranges ton arme et surtout tu fermes bien ta gueule. Voilà. Tu m'entends, William? Ouais. Ok. Putain, c'est incroyable ce genre de guignol. Bon, moi j'y vais. C'est quoi, je sais même pas ce que c'est que la définition du masse RP. En tout cas, merci. Oula. Putain, les ultras, vous avez été on fire. Encore par terre. Quelle bande de guignols. Ça fait quoi de bouffer le sol, les mecs? J'ai envie qu'il me bute, en fait. J'ai tellement envie de pi. C'est là où tu vois le comment je suis. Oh, il a des... Ah, le patard. Il a LTF4, il a des déconnant. Il a LTF4. Bon, oh, moi, je me tire parce que là, il y a plus de modération, là, ou quoi? Ah, si, je suis là. Ah, ok. Bah, il s'est barré, là. Bon, c'est pas grave. C'est normal, je viens de le TP à l'instant. Bah ouais, il a LTF4. Ah ok, bon bah peut-être qu'il reviendra, hein. Je reste au-dessus de la zone, ne vous inquiétez pas. Ok, merci. Merci. Je vais rester des heures et tout juste pour vous dire les mecs. Bonsoir, messieurs. Combien je vais vous payer le T-Max? Bah, merci beaucoup, bah ouais, paye-le avec grand plaisir. Ça, c'est un T-Max d'occasion. Écoute-moi. Sors pas de ton personnage, mec. Ok. T'as ton petit gun là, hein. Je t'amuse à faire le show. Mais ici, ah, gros, t'es rien. Ouais, t'inquiète, bouge pas de l'huile. Donc t'enlèves ta cagoule, tu joues les scènes normalement, hein, comme tout le monde ici. Hein, et je vais enlever. Et t'arrêtes de faire le con. Ah, et te défendre une demoiselle qui t'a rien demandé, ok? Elle a pas besoin d'un chevalier blanc, tu pour le coup, elle aussi t'a rien demandé. Hein? Aussi, elle aussi t'a rien demandé. Non, mais sauf que moi, j'ai un bon jeu de rôle, tu vois. Non, toi, tu es pervers. Il s'est passé des choses entre elle et moi, il y a eu de la tension, il y a eu quelque chose, une intrigue. Alors que toi, tu restes à côté forceur, comme un PNJ. Oh, papillon, s'il te plaît, j'ai... Oh ça te démange, hein, ça te démange, mais tu peux rien faire, mec. Oh ouais. C'est quoi un PNJ? Non, c'est juste que j'en ai marre des mauvais joueurs comme lui, quoi. Ça sert absolument à rien. On a marre c'est des forceurs comme toi. On est en instance ici, donc on a le droit d'acharper, donc je lui explique simplement comment il doit jouer son personnage. Oh ouais. De toute façon, on attend le staff là, ils sont en train de régler le problème, il y a un gars qui s'amuse à carkill, donc on est en attente, on est en instance, donc écoutez un peu, surtout. Putain, c'est où ce mec qui doit relever le niveau de ce serveur, c'est dingue quand même.
Ah non, c'est pas toi qui le relève. Hein. Ah ouais, si, clairement. Pourtant, c'est mon personnage le plus basique, hein, et je vous termine tous, les gars, en RP, donc. Ah ouais, c'est justement là, t'essaies vraiment juste de la jouer grosse couille. Et bon, bah, mec, y'a pas de répondant, je propose des choses, il se passe quelque chose, et vous faites rien là, vous êtes là, tu me parles mal, tu me parles mal. Propose quelque chose, vas-y, montre-moi un peu d'agressivité dans ton perso, regarde, c'est que faire ça, regarde. Voilà. Monsieur, je vous propose un combat duel. Non, pas de combat, moi je veux une joute verbale, moi je veux une joute verbale. Non, mais un duel verbal. Allons-y. Comme les rats Thunder. À trois, d'accord, très bien, attends deux secondes. Et on dit quelque chose sur la vie. On dit quelque chose sur la vie. Exactement, comme ça on va relever le niveau. Le plus beau gagne. Le plus beau il gagne. Ouais, allez.